Salam alaikum, Azul Fillawan, bonjour. Comment pourrait-on définir le régime algérien? Une gérontocratie? Parce qu'il est constitué essentiellement de vieillards? Vraisemblablement non, parce que même si en effet la quasi-totalité des charges institutionnelles du pays est occupée par de vieux messieurs, la réalité du pouvoir semble être entre les mains de jeunes loups aux dents longues depuis peu. Une mafiocratie, parce que ceux qui sont à la tête des institutions, voire même des postes de responsabilité gouvernementale, voire même les chefs de l'armée, les magistrats et même les élus, sont quasiment tous dans une logique de rapine et de pillage du bien public lorsqu'ils ne se servent pas de leurs charges respectives pour prélever des parts plus ou moins importante de la corruption systémique qui sévit à tous les niveaux, du plus élevé au plus subalterne de l'État. Une oligarchie, c'est-à-dire une forme de république de façade, mais dont le pouvoir a été capté par un petit groupe d'hommes, ça ne semble pas être tout à fait le cas, puisque ce régime est autrement plus complexe et que des forces diverses et variées se sont agglomérés autour de lui, qui procèdent de sa logique, mais qui n'en ont pas moins d'influence sur son cours. En fait, c'est un peu tout cela en même temps, et plus encore parce que le régime algérien est non seulement tout à fait particulier, mais c'est le seul de ce type à exister dans le monde, ou avoir existé dans l'histoire, oserais-je dire, vraisemblablement. C'est un régime qui s'est paré de toutes les institutions de la République française, l'ancienne puissance tutélaire, l'ancienne puissance coloniale, qui continue de le fasciner et dont de nombreux barons en ont été des sous-officiers du temps de l'occupation de leur pays. Mais ces institutions ne sont en fait que des coquilles vides, non pas d'hommes, dont elles sont abondamment pourvues jusqu'à la pléthore, mais de sens, de toute véritable prérogative. Elles ne sont que des façades en trompe-l'œil, destinées à donner le change, à faire croire ou à vouloir faire croire que l'Algérie est un état de droit. Et ce besoin de tromper les opinions publiques occidentales, qui s'en fichent, royalement en fin de compte, a totalement et tellement obnubilé les dirigeants de ce régime qu'ils ont décidé, juste après le coup d'État de 62, plus précisément le 25 septembre 1962, de changer la dénomination de République algérienne en République algérienne démocratique et populaire. Une suite de pléonasmes, en fait, creux, qui laisse imaginer la noirceur d'un régime qui se drape de plusieurs manteaux d'honneur à la fois pour cacher sa véritable nature. Ce régime, illégitime dès le départ et qui, plutôt que de faire disparaître les méthodes coloniales de gestion des populations, les a affinées, réadaptées, enjolivées d'atours et de prétextes menteurs. Comme une créature affligée d'une malformation congénitale, la véritable nature de ce régime n'a fait que devenir de plus en plus monstrueuse, de plus en plus pernicieuse, de plus en plus ravageuse. En fait, ce n'était là qu'une évolution qui coulait de source et qui suivait son cours naturel jusqu'à aujourd'hui où ce régime en est arrivé à déborder de la logique même qu'il a fait naître et à faire surgir de son propre sein les causes fatidiques qui le feront s'effondrer de toute son imposante stature. Comme tous les régimes illégitimes qui pensent se donner des lettres de noblesse en s'inventant des légitimités et d'autres, et en s'entourant autant de façades menteuses que de forces serviles pour empêcher toute contestation populaire, et qui commencent toujours à saper les fondements civiques et moraux de leur société, parce qu'ils savent que ceux-ci ne peuvent s'accommoder de telles perversions, le régime algérien a donc fini, lui aussi, à ne plus connaître de limites à ses dépassements, à ses abus, à ses prédations. Le mensonge
est devenu l'essence même qui le fonde et qui le fait fonctionner. Le mensonge systémique est devenu la seule vraie institution sur laquelle il repose tout entier. Il en est fatalement arrivé à ne plus pouvoir évaluer la situation. C'est comme ça, hein, le mensonge, il finit par se retourner contre vous. Et donc ce régime ne peut plus évaluer la situation, ni ses propres capacités d'ailleurs, à sauvegarder ses possibilités de pérennité et de survie. Et ainsi, tout naturellement, comme la phalène qui est attirée par la flamme qui va lui brûler les ailes, ce régime a ouvert de lui-même des brèches irréparables dans les remparts qui le protégeaient des menaces naturelles et potentielles qui ont toujours pesé sur lui et qui continuent de peser sur lui, mais qu'il a toujours su conjurer ou réduire par la force et la ruse. Alors qu'il avait toute latitude de vite se régénérer après l'AVC de Bouteflika et de vite le remplacer par quelqu'un d'autre de la maison, il s'est évertué à le faire rempiler pour un quatrième et fatal mandat. Le plus sidérant, et qui est une sorte de revanche de l'histoire, peut-être, pour donner au peuple algérien la chance historique de finir sa guerre de libération nationale contre le colonisateur français, et que c'est la France de François Hollande qui a orchestré dans les moindres détails cette réélection d'un invalide intégral. Les uns et les autres, forts d'atouts inimaginables, fait de chantage, de grande corruption, de corruption de masse, mais aussi de trahison d'un côté et d'esprit de reconquête de l'autre. Les uns et les autres ont donc cru pouvoir se commettre sans risque dans une telle outrance, faire élire un homme totalement déconnecté de la réalité, l'utiliser comme vitrine et mettre tous les mécanismes du pouvoir entre les mains d'une mafiocratie constituée d'une foule de généraux et d'un seul civil, le propre frère du président, lui-même entouré d'une clientèle riche à milliards, qui tend naturellement à vouloir devenir une oligarchie régnante de facto. Personne parmi ces gens, ni parmi ceux qui conseillent le président français, n'ont vu qu'il venait d'ouvrir la boîte de Pandore. Personne n'a compris, à temps, que trop, c'est trop, que le régime venait de jeter une bombe à fragmentation en son propre sein. La France, de son côté, qui avait fermé les yeux et les oreilles sur les atrocités commises par le DRS contre les populations civiles durant les années 200, n'a pas hésité cette fois-ci à participer au démembrement et quasiment au démantèlement du même DRS pour l'unique et seule raison qu'au sein de cette structure, qui était devenue le cœur du pouvoir, des résistances subsistaient contre ces réaménagements, non pas parce que mus par de quelconque sentiment nationaliste, comme cela a été affirmé par certains, mais parce que cette aventure dans laquelle tous les barons du régime étaient embarqués, bon gré, mal gré, était tout simplement suicidaire pour tout le monde. Il n'en demeure pas moins que cette désintégration du DRS et d'autres cercles hostiles a été rondement menée. Aujourd'hui, à la veille de sa propre et inéluctable mort, personne ne sait vraiment qui dirige le pays. Pas même ceux qui signent les décrets à la place du président en titre. La foultitude des politicards de conjoncture, qui ne savent que se goinfrer au râtelier des maîtres du jeu, attendent de voir d'où viendra le vent du changement. Les centaines de généraux, dont une bonne centaine, disposent de véritables capacités de nuisance, sont dans l'expectative figée. Eux-mêmes sont dans la liste du chantage. Des dizaines d'autres renvoyés à leur foyer sans autre forme de procès sont devenus des salonnards politiques qui croient pouvoir encore se servir du terrorisme pédagogique pour regagner leur place sur le tableau de bord. Une opposition hétéroclite, faite de briques et de brocs, de jeunes qui veulent vraiment en découdre et de vieux briscards dont la vision est enfermée dont les œillères du régime qui les a créées, cette opposition-là passe son temps en conférence et en vaines gesticulations. Les mouvements les plus sains qui la composent n'ont pas compris
que c'est du peuple qu'elles doivent tirer leur force pour le conduire au combat libérateur. Ils croient pouvoir obtenir une période de transition pour un vrai changement du régime par la grâce de Sidi Boudrebala. Ils croient, avec une ingénuité qui ferait sourire, si les lendemains n'étaient pas aussi sombres, que ce régime va leur céder la place gentiment, sans faire d'histoire, juste parce qu'ils promettent à ces barons qu'ils ne seront pas inquiétés quand ils ne seront plus aux commandes. Et ainsi, le pays tout entier est suspendu à un fil d'araignée, au-dessus d'un abîme insondable. Il faut être sourd et muet pour ne pas écouter la lame de fond qui se lève, pour ne pas voir les nuages qui s'amoncellent au-dessus de nos têtes. Pendant ce temps, nous continuons à nous interroger sur des futilités, comme par exemple de chercher à savoir qui dirige vraiment l'autobus fou et qui n'a plus de frein, qui nous porte tous et qui est lancé à tombeau ouvert, droit vers le précipice. Comme si un tel véhicule, dans de telles conditions, pouvait être conduit par quelqu'un d'autre que sa propre masse, démultipliée par la descente vertigineuse dans laquelle il est lancé. Aujourd'hui, TSA. La chronique de Benchikou, faut-il toujours parler d'un après Bouteflika ? Première partie, ni la mort, ni l'armée, etc. Maghreb émergent. Au café presse de radio M, Saïd Bouteflika, président, Gaïd Salah El Toufik, out. Al-Watan, Bouteflika est un problème, pas tout le problème. Avec nous aujourd'hui pour parler de ces sujets, Brahim Younsi, président de l'UDM et néanmoins fin analyste politique. C'est Brahim, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est Jamel, de m'avoir de nouveau invité. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est Brahim, alors, est-ce que vous pourriez nous dire votre sentiment sur ce climat très lourd qui pèse en ce moment sur Alger, sur ces gesticulations de part et d'autre, sur cette presse qui se tait, sur ces salonnards politiques qui envoient des fuites de tout genre et des informations de tout genre. Est-ce que vous pourriez nous dire votre sentiment ? Le sentiment a toujours été le même, à savoir que l'opacité du système, l'opacité de la vie politique algérienne, qu'elle soit du côté du pouvoir ou d'ailleurs du côté de l'opposition, dont on ne sait plus grand-chose, qui ne fait pas grand-chose, fait que la rumeur s'impose. Et nous vivons par la rumeur, nous vivons par l'intoxication, nous vivons par la mystification. Je crois que c'est ça qui donne l'impression d'une certaine lourdeur. Et il est vrai que nous n'arrivons pas, le système lui-même n'arrive pas à se réformer s'il a envie. S'il avait envie de se réformer, il n'arrive pas à se réformer. Il y a des résistances. Et plus moi, que ça, je crois que vous ne m'entendez pas, Ibrahim. Si, je vous entends. Oui, il y a un problème. On ne vous entend pas très bien. Donc, vous allez rester sur l'image. Mais on va vous appeler au téléphone. Je vous demanderai de baisser le son de votre Skype pour que nous puissions bien vous entendre. Très bien. Mais poursuivez. Ils vont vous appeler au téléphone. Je suis désolé. C'est nous. Je vous en prie. Je suis désolé. Poursuivez, Ibrahim, poursuivez. Donc, voilà, il y a certainement des... Je vais reprendre la parole, Ibrahim, parce qu'il y a... voilà, on vous appelle au téléphone, donc vous allez prendre le téléphone et... Nous allons pouvoir continuer à discuter. Il faudrait que vous restiez sur Skype en image pour qu'on vous voie, mais vous parlerez au téléphone en baissant néanmoins le son de votre Skype pour qu'il n'y ait pas de retour. Je suis. Oui. Je vous en prie, Sibahim, est-ce que vous nous entendez maintenant ? Je suis. Je vous entends. Mais essayez de baisser le son de votre Skype. Voilà, très bien, parfait. Ah ben là, on est très bien. Maintenant, on est très bien. Allez-y, je vous en prie, poursuivez. Oui, sur votre question, je crois que l'opacité du système,
Et bien entendu aussi l'opacité qui existe dans l'opposition, dont on ne sait rien, qui ne fait rien et qui ne dit rien ou qui répète toujours les mêmes choses, qui n'est pas en connexion avec la population, avec la société, fait que nous avons l'impression qu'il y a ce climat un peu lourd, etc. Si vous me le permettez, oui. Parce que vous avez dit un certain nombre de choses très justes, de citer deux phrases d'Ahmed Talib Ibrahimi dans un manuscrit qu'il m'a amicalement confié, qui n'a pas été publié. Ce manuscrit a été écrit au début de l'année 2000, c'est-à-dire immédiatement après la nomination de Abdelaziz Bouteflika à la présidence de la République, à laquelle Ahmed Talib Ibrahimi lui-même était candidat, et il s'était retiré avec d'autres candidats. Et c'est dans sa postface, c'est-à-dire quasiment dans sa conclusion, il dit la chose suivante que je trouve très pertinente, très juste, à propos d'un certain nombre de choses dont vous avez vous-même parlé. À savoir que l'Algérie vit une crise de direction. Et cette crise de direction qui dure, et cette crise de direction a été ouverte bien avant le congrès de Tripoli, mais singulièrement depuis le congrès de Tripoli, que nous vivons une crise de direction politique. Toutes les directions ont été illégitimes depuis 1962. Oui. Donc Ahmed Al-Brahimi dit, l'Algérie vit une crise de direction car ceux qui ont été propulsés au poste de commande durant les années de la crise ont été choisis pour des missions précises et quelle que soit leur qualité intrinsèque, leur mission prend fin dès qu'ils achèvent de jouer le rôle qu'il leur est assigné. Oui. Voilà ce que dit Ahmed Talib Ibrahimi. Je partage cette analyse. Oui. Je partage cette phrase-là totalement. Et selon vous, Ibrahim, Abdelaziz Bouteflika n'a pas achevé la mission pour laquelle il a été désigné à ce poste, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, à l'exception de Houari Boumdine, qui avait tout le pouvoir, qui était le pouvoir lui-même. Il était le pouvoir exécutif, le pouvoir militaire, le pouvoir législatif, etc. Aucun autre président, avant lui ou après lui, n'a détenu une seule parcelle du pouvoir. Vous pensez, et d'après vous, qui a désigné Bouteflika? C'est très clair, c'est un modus vivendi, c'est un consensus entre le DRS et l'armée. Et maintenant, qui détient les véritables leviers du pouvoir? Je continue personnellement avec d'autres à penser que le pouvoir algérien repose essentiellement sur deux jambes, le DRS et l'état-major. Oui. Et bien entendu, aujourd'hui, pour des raisons externes, dans certaines, vous les avez évoquées, la présidence de la République. Et selon vous, le DRS n'aurait pas été aussi laminé, aussi démantelé qu'on le dit? Moi, à mon sens, non. C'est une, à mon avis, c'est une des institutions, utilisons ce mot-là, oui. À savoir, soit le DRS, notamment, le DRS ou l'état-major était démantelé ou serait démantelé, ça veut dire que c'est tout le système qui est en situation de déséquilibre et c'est tout le système qui tombe. Je crois que ces gens-là connaissent leurs intérêts, connaissent trop bien leurs intérêts pour s'affaiblir à ce point en affaiblissant, j'allais dire, leurs bras armés, c'est-à-dire les renseignements qui sont très puissants dans notre pays depuis l'indépendance. Mais nous avons appris que des directions entières du DRS ont été démantelées, que d'autres ont été affectées sous d'autres hiérarchies, que des généraux du DRS ont été remerciés. Quoi qu'il en soit, le DRS ne perd pas. Le système de renseignement, on emploie ce terme générique de DRS, oui. Mais le système de renseignement, oui. Qu'il soit une partie soit à la présidence, ou une autre partie soit à l'état-major, et une autre partie encore reste au sein du service lui-même, je crois que cet ensemble-là fonctionne de façon relativement cohérente
pour défendre le système et pour défendre le pouvoir. Le système ne se suicidera pas. Il n'est pas dans une situation de suicide. Et vous pensez que, bien qu'éclaté, dispersé, une partie de ces officiers ait renvoyé leur foyer, que le DRS reste homogène et cohérent avec la logique du pouvoir? Ces officiers qui ont été renvoyés à la maison, d'autres officiers les ont remplacés, et les officiers qui les ont remplacés, aussi jeunes soient-ils, aussi bien formés soient-ils, aussi démocrates entre guillemets soient-ils, répondent, obéissent à une logique de fonction, à une logique de système. Et venons-en maintenant à la question qui tue. Et Saïd Bouteflika, dans tout ça. À partir de 2005, on savait qu'il tirait cette sorte de légitimité, entre guillemets, ce pouvoir réel sur la scène politique de son frère, qui avait encore toute sa conscience, qui était vivant, qui était vivant, quel lapsus révélateur, qui bougeait, qui parlait. Mais Bouteflika Abdelaziz est complètement déconnecté. Donc, d'où Saïd Bouteflika, à qui on prête la réalité du pouvoir, à qui on prête la réputation d'être le principal levier du pouvoir, d'où tiendrait-il ce pouvoir, si tel est le cas, si vous pensez qu'il détient réellement le pouvoir? La question est bien posée et très bien posée. D'où tiendrait-il Saïd Bouteflika le pouvoir? Moi aussi, comme beaucoup d'autres, j'ai cru que le frère du président détenait le pouvoir. Et puis après, bon, on découvre qu'effectivement, que cet homme-là détient une petite parcelle du pouvoir, celle que lui a confié le président de la République, je parle des titres, pour être son conseiller, son premier conseiller, son conseiller spécial. Et comme conseiller spécial, il a effectivement, de mon point de vue et d'après ce que j'en sais, effectivement une influence sur ses collaborateurs, sur le personnel politique ou technocratique de El Mouradia, et bien entendu sur le gouvernement ou une partie du gouvernement. Mais il n'a pas d'autorité sur le DRS, il n'a pas d'autorité sur l'armée et moins encore sur l'état-major de l'armée, même s'il y a un travail qui se fait en commun. Je crois que, comme disait Staline à propos du Vatican, Saïd Bouteflika n'a pas de division. Il n'a pas de division. Certains amis qui connaissent très bien l'intérieur du pouvoir, qui connaissent très bien l'intérieur de l'armée, m'ont confié, et je les crois parce qu'à chaque fois qu'ils m'ont donné une information ou m'ont informé de quelque chose, cela s'est avéré exact, que Gaïd Salah lui-même, dans les cercles privés, dit « Pourquoi pas moi ?» Pourquoi ce Gaïd Salah, chef d'état-major, vice-ministre de la Défense, c'est le premier titre du genre, ferait-il la courte échelle à Saïd Bouteflika? Pourquoi? Peut-être parce que... C'est une question qui se pose. Je crois qu'il y a, à la fois des considérations régionales et régionalistes, il y a des considérations bien entendu d'orientation politique et d'orientation stratégique, il y a effectivement aussi des orientations de considérations financières, des affaires, etc. etc. Brahim Younsi. Selon toute vraisemblance, une telle situation ne peut pas durer éternellement. Avec un tel président, selon vous, comment vont évoluer les choses? Je vais encore une fois me permettre de... Là, c'est pour vous dire, parce que vous me posez une question qui relève de l'ordre du rationnel. Et je vais vous citer, si vous me permettez, encore une phrase d'Ahmed Al-Ibrahimi dans ce manuscrit qu'il m'a confié. Il dit la chose suivante. Il m'arrive de penser... C'est pas ma réponse. Oui, il m'arrive oui. de penser oui. que la crise algérienne est si grave qu'elle se situe au-dessus des capacités des hommes,
compétent soit-il, il faudrait un miracle. L'insertion du divin dans l'histoire, j'y crois. Alors, d'après vous, on est perdu. Si Dieu ne veut pas. À moins que Dieu. Nous ne sommes pas perdus. Oui. Je ne le crois pas. J'ai dit que cette question relevait du rationnel et seulement du rationnel, mais pas comme le pose le respectable Abdal Ibrahimi dans cette considération irrationnelle. Oui. Mais selon vous, Ibrahimi aussi. Tout n'est pas perdu, oui. Mais il faut une organisation. Vous avez vous-même parlé de l'opposition. À mon avis, une opposition qui s'est fourvoyée et qui se fourvoie depuis de nombreuses années. Que ceux qui. Mais vous en faites partie, Brahim Younsi. Brahim Younsi. Brahim Younsi. Vous en faites, cette opposition, vous en faites vous-même partie. Alors dites-nous, parce qu'il nous reste 2 minutes à peu près de temps, dites-nous ce qu'il faut faire. Parce qu'il faut bien faire quelque chose. Oui. L'opposition, ce n'est pas celle qui a navigué dans le pouvoir, qui pourrait présenter une alternative. D'abord, cette opposition doit cesser de regarder du côté du pouvoir, parce que cela fait des années qu'elle regarde du côté du pouvoir, et certaines d'entre elles y a participé et a cautionné ce pouvoir, mais qu'elle travaille dans la société, avec la société, qu'elle cesse de participer à des élections que tout le monde déclare truquées, fraudes, etc., y compris celui qui a dirigé la campagne électorale de 1999 à laquelle Amtal Ibrahimi a participé et dont j'étais le directeur de campagne en Europe, a cautionné les fraudes que nous dénoncions à l'époque. C'est ça aussi le problème, oui, le problème de la effet. Crédibilité oui, de cette opposition. Si elle veut être crédible, cette opposition doit se retourner vers les hommes. Je ne dis pas moi je suis dans l'opposition, je ne dis pas moi je suis un tout petit, nous sommes quelques personnes à vouloir dire simplement ce qu'il convient de faire et comment présenter une alternative politique dans ce pays qui est à la fois musulman et qui veut introduire la démocratie dans la gestion de ses affaires publiques. Voilà, à mon avis, le nœud du problème. Comment garder notre identité, parce que nous sommes menacés par la mondialisation, la dérégulation, etc., du monde, et puis la question de la démocratie qui se pose dans nos affaires publiques. Voilà la question cruciale, fondamentale, que de se livrer à des incantations, que de se livrer à des imaginations qui n'existent pas. Brahim Younsi, merci beaucoup. C'était très intéressant. Nous espérons vous revoir bientôt, comme d'habitude. En attendant, je vous dis merci de nous avoir suivis. Salam alaikum, azul fillah.